Giordignano, avec ses 1900 habitants, fait partie de l'Union des communes des Terres d'Orient. La ville est située dans le territoire salentin, à quelques kilomètres de Otranto, sur le versant centro-oriental de la province de Lecce. Définie à juste titre comme le jardin mégalithique d'Italie, la ville de Giordignano garde un important patrimoine historique monumental. Ce patrimoine remonte à l'âge des métaux et il est visible dans la présence de nombreux dolmens et menhirs qui enrichissent le paysage rupestre. Le territoire garde soigneusement les antiques vestiges de la civilisation agricole et pastorale du Salento. Et la campagne offre des témoignages de la florissante industrie agricole. Elle est toujours luxuriante dans les oliveraies bien soignées et dans les traditionnelles architectures rurales comme les paillards et les murets de pierre sèche qui décorent et caractérisent le paysage environnant. La brise parfumée du proche canal d'Otranto souffle sur les verdoyantes campagnes dans lesquelles l'olivier prospère et forme des vastes forêts qui s'étendent dans tous les territoires environnants. Pendant des siècles, la production olicole a soutenu l'économie de Giordignano et l'huile produite à partir des olives locales occupe aujourd'hui encore une place importante dans le secteur agroalimentaire salentin, notamment pour sa pureté et délicatesse. Les fruits de la campagne abondent dans la tradition culinaire de Giordignano, qui, avec passion et recherche, revit dans les services de restauration qui animent l'ancien bourg. La gastronomie traditionnelle devient protagoniste dans les célèbres tables de Saint-Joseph, une ancienne coutume du territoire. En effet, chaque 19 mars, lors de la fête du sang, la communauté de Giordignano a l'habitude de dresser la table avec des plats sains et délicieux, dont toute la collectivité bénéficie. Autrefois, les tables de Saint-Joseph représentaient un moment de partage chrétien et d'accueil convivial et charité envers les plus démunis. L'anthropisation du territoire remonte à des temps très anciens, même si les premières sources archivistiques concernant Giordignano remontent à la domination normande suabe, quand le fief a été donné par Tancredi d'Altavilla à Niccolò de Noa. On peut admirer l'histoire de la communauté de Giordignano en se promenant dans les petites rues de l'ancien bourg. Ici, on redécouvre le charme de l'authenticité salentine, où il est facile de rester enchanté devant les couleurs chaudes des bâtiments qui se détachent sur les blés du ciel. Le passé orageux de la frontière salentine, lors des attaques et des incursions turco-ottomanes, est visible dans les différents bâtiments qui se dressent dans les centres historiques. C'est le cas de Palais Villei, un édifice avec une structure ornée de tours datant du XVIe siècle et un puissant portail en bossage. L'histoire de Giordignano est visible aux yeux des visiteurs à travers des magnifiques décorations historiques artistiques qui montrent l'important passé de la culture italo-grecque et de la tradition religieuse aujourd'hui encore présente dans la vie communautaire. Visiter Giordignano, c'est comme se promener dans les jardins de la mémoire millénaire du Salento, avec une grande sensibilité pour l'accueillance touristique et la valorisation culturelle.